Ici, vous voyez ce qui est écrit ? Zilan 2020. Et aujourd'hui, c'est le vlog de la Zilan 2022. On a fait un petit peu du chemin depuis les différentes Zilan. C'est la troisième Zilan à laquelle on va participer ? Oui. Petit flashback, Zilan 2020. Enfin, c'est vrai qu'on a la régie à côté, donc ça va trembler, nous. Hein. Et moi, je tremble pour toi. En vrai, ça va. Hein. Moi, je suis pas assez stressé que ça. Zilan 2021. Les derniers. Bon, bon, voilà. Et du coup, on a demandé à Rudou et on nous a dit non. 21, ça veut dire qu'il lui manquait quand même 4 points. C'est pas ce que vous croyez. Game Pass ? Et c'est qualifié ! Aïe, 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 les pros du... C'est fait ! Tous ces jouets au lancer de câble Ethernet. Zilan 2022, c'est aujourd'hui. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Mais quel décor ! Mais quel décor ! Mais c'est vrai qu'on a rarement fait... Regardez-moi ça, regardez, je peux connaître l'heure et tout, c'est génial, il y a un Among Us. Chaque plante a un prénom, n'hésitez pas à aller sur le Twitter de Bichard TV, qui est le Twitter qui est géré par mes modos. Il y a tous les noms des plantes, etc. Ils font des best-of et tout, vraiment, vous allez kiffer sur Twitter. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour le vlog de Zilan 2022. Actuellement, on est le jeudi 31 mars. La Zilan, c'est le 8 avril, et vous êtes en train de me dire, mais attends, mais ça fait tôt, là. Une semaine de voyage, ça fait loin. Non, non, non. Aujourd'hui, on part en bootcamp, mesdames et messieurs. D'ailleurs, je sais pas si on va faire des vlogs bootcamp ou des vlogs Zilan. Je sais pas si on arrive à les tenir. Faudrait que je demande à Bugget. On verra. Mais là, on part actuellement en bootcamp avec Fatou et Drago, deux personnes extraordinaires. Vous les voyez ici, ils sont tout beaux. On part à Lyon ensemble dans un Airbnb. Machallah, vraiment 8 étoiles le truc, vraiment. Pendant une semaine, on va s'entraîner à fond sur tous les jeux. L'avantage, c'est que contrairement à mes dernières Zilan, là, il y a du gros training qui a été mis en place et on essaie de viser le plus haut possible. On va vraiment essayer d'aller loin et j'espère qu'on va y réussir. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que ça va vous faire plaisir. Mais avant de jouer, j'ai tout un setup à remballer. Ah, chose importante, oui. Moi, je pense beaucoup au training, mais je pense aussi au moment de décompression. Entre le moment où je vais embrasser Fatou 2-3 fois, on ferait une partie de ping-pong. Les gars, on va rigoler, vous aurez D1V un ping-pong, ça va être génial. Bon, allez, il est l'heure de ranger. Normalement, tout est bon. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, parce que c'est le plus important. Là, on peut y aller. Demain, pour vous expliquer, à 8h, je dois prendre le micro auprès de mes camarades de classe pour présenter mon projet de service sanitaire. Je vais essayer de demander à un pote de filmer pour vous montrer 2 secondes, mais ça va être très drôle en tout cas. Je vous donne rendez-vous à demain pour le début du bootcamp. Il est 7h30 du matin, les affaires sont prêtes, regardez. Ici, on a la valise de setup, le clavier, le PC, l'écran. Là, on a du matos, des câbles, le deuxième écran. Bien évidemment, la petite mallette pour jouer. On va s'amuser, ça va être génial. Là, il est 7h30. Il faut que j'aille en cours. Ah, attendez, j'ai un poil, là. C'est ça, tu sais. Oh non, la blague de merde. En plus, c'est le 1er avril. J'ai tweet que j'étais plus puceau aujourd'hui. Mais personne ne me croit, c'est un peu triste. On se donne rendez-vous vers midi pour le départ. On va essayer de partir avant 14h. En plus, je suis trop content. Je vois une pote que j'ai pas vue depuis grave longtemps à Lyon. Donc, je suis trop heureux. Vraiment, je suis un homme heureux, les gars. Je suis un homme... Ah. Ouais, c'est bien rempli derrière. Et encore, vous imaginez même pas à quel point. Bonjour, on est... Attends, pourquoi je dis bonjour, sachant que le vlog a déjà commencé pour vous. On est avec Samy, les gars. Ouais. Le retour, oui, toujours. Ouais, le conducteur hors pair, c'est moi. Enfin, garde les yeux sur la route, quand même. Okay. S'il te plaît, parce que sinon, je te... Non, garde les yeux sur la route. Arrête. On est parti pour Lyon, actuellement, mais Samy ne m'accompagne pas. En fait, entre Metz et Nancy... Non, entre Metz et Lyon, il y a Nancy, enfin bref. Du coup, j'accompagne Samy jusqu'à Nancy. Enfin, lui, il m'accompagne jusqu'à Nancy. Me dépose à Nancy. Il se dépose à Nancy, voilà. C'est le terme. Ensuite, je prends le volant et je vais directement tout droit jusqu'à Lyon pour découvrir le Airbnb. Arrivé à Nancy, je vais directement avec une pote. C'est-à-dire qu'on ne verra même pas Fatou Drago, je vais voir une pote avant. Peut-être, éventuellement. C'est peut-être la troisième dauphine de Miss Lorraine. Oh, oh. Let's go. Qu'est-ce que je fais, là? T'es en couple? Non, mais pour toi. Moi, j'ai pas besoin de femme dans ma vie. Okay. C'est pas pour toi que j'ai besoin d'homme. Tu leur as dit l'objectif ou pas? L'objectif, les gars, c'est qu'il y a un vlog par jour. Je ne sais pas si on tiendra ça, mais peut-être que demain, il y aura un vlog. Voilà, si ça dit rien. Est-ce que les gars, si je fais ça... Vous avez la ref? C'est plus comme ça, regarde. Allez, je vous fais un bisou. À tout à l'heure. Samy nous a quittés, les gars. Enfin, il nous a quittés dans la voiture. Hein. Il nous a pas quittés dans la vie. Hein. Il est 15h25. Et maintenant, c'est du tout droit. C'est du tout droit. Full tunnel vision, on réfléchit à plein de choses. C'est le moment où je fais laisser part à ma créativité.
Non mais je suis en train de record pour dire qu'on travaille même en voiture. Ah oui. Donc et au niveau téléphone toutes les deux secondes en voiture aussi. Non mais au niveau du projet, on est d'accord qu'on garde ce qu'on a là. Là il faut que vous disiez oui pour la caméra. Il y a si on change la trame. Raconte ce que tu veux. Là maintenant t'es filmé. Hello. Les retrouvailles. Je vous présente mesdames et messieurs Mathilde. Mathilde Meyer. Je crois que tu es ton nom de famille. Ouais. Ok. Présente-toi Mathilde. Alors je suis multi-région. C'est ça. J'habite à Lyon, en Lorraine, parfois à Metz, à Strasbourg. Je vais un peu partout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Mathilde? Eh ben je suis Miss. Voilà, oui, non mais voilà, faut le dire. Je suis aussi à l'école. Non mais Miss, c'est pas une blague, ils vont croire que tu rigoles. Mais c'est ouais, pas une blague, elle est Miss. Je rigole pas en plus. Oh, ouais. T'es au courant que si je tape, je casse mon PC. J'ai toute ma vie dedans. De quoi t'es-tu pas, si tu veux que j'aille dehors? Non, c'est bon, c'est bon. Tu m'as pris pour un... Ah, débutant. Mais non mais, tu te rappelles c'est qui garait ta voiture à la fac? Ah ouais. Ah voilà, on est avec Mathilde. Je sais pas si je prends la cam dehors. À Lyon, ouais, ouais. Ça peut être rigolo. Vas-y, on prend la cam de Rayon. On est d'accord que ce chat est beaucoup trop laid. Non, son chat est trop laid. Genre, mais non, c'est la plus belle. Mais non, il est trop laid, genre. Oui. On dirait... J'ai plein d'adjectifs que bien, j'arrive pas à trouver. On va aller manger. Oui, c'est bon. Et on mange quoi? Tu choisis, hein? Non. Si. Ah, toi, si. Tu choisis, t'es invité. Mais c'est... Mais comment ça, je suis invité? Regarde le passage comme il est beau. Wow. Hein, tu trouves ça beau? Oui. C'est des boutiques. Ah oui, voilà, ouais, c'est parce qu'il y a du shopping à faire dedans. Salut. Hello. Attention, tu n'arrives pas. Les gars, il neige à fond, vous voyez peut-être pas, mais regardez-moi ça. On est tout blanc. Mais oui. J'adore. Vas-y, je te laisse faire ta petite connerie là, vas-y. Okay. Attends. Waouh. Ça, c'est beau. C'est pour notre amour. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est une femme, tu vois, parce que tous les hommes auraient dessiné des bites. Ouais, c'est ça. Bon, c'est le départ de ma grande amitié depuis 4 ans. Ça fait plaisir, Mathilde, t'avoir vu. Ouais, bon, bah, je me casse. Ah, d'ailleurs, attendez, on va aussi préciser ici, c'est pas ma copine, hein, c'est une pote. Non, mais je vous connais. Voilà. Ouais, non. Même si j'éprouve énormément de sentiments amicaux pour elle, ça reste une pote. Ça reste. Non, mais c'est la fin de cette petite journée avec Mathilde, vous la reverrez pas. Pas de sitôt, en c'est tout cas. Pas de sitôt, parce que peut-être bon, dans deux ans. Peut-être dans deux ans. Je sais pas la suivre sur Instagram, c'est une Miss, vous savez qu'on rappelle, hein. Troisième dauphine à Miss Lorraine. Non, elle a des réseaux sociaux, etc. Vous pouvez la suivre, y'a pas de soucis. Bisous. Ok, je suis actuellement devant l'Airbnb, les gars. Fatou et Drago vont venir m'ouvrir dans quelques secondes. En vrai, j'ai hâte un peu, hein, parce que putain, Fatou, genre, chaque fois que je le vois, j'ai des problèmes d'érection. Mais genre pas des problèmes, genre j'arrive pas, mais c'est trop. Oh regardez, regardez-les là. Oh là 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 là. Putain, c'est Drago et Fatou. Ah ouais. Ouvre le portail. Il sait pas ouvrir. Ah. Voilà, je vous filme l'arrivée. Drago, il fait un petit coucou. Bonjour. Salut mec. C'est combien? C'est cher, hein, mec. Hein. Alors, il y a une chance sur deux que tu te fasses niquer, parce qu'il y a des places qui sont réservées. Mais on le sait pas, c'est pas marqué. Ouais. Nous, en fait, on s'est mis sur une place, mais ils ont enculé. Il y a un mec qui est arrivé, il a fait non, vous mettez pas là, et on a dit ça va pas être un nombre blanc, il a dit on m'en fout, vous changez. Il nous a dit si jamais vous recommencez, je vous mets dans ma cave. Ça va, il était plutôt fort. Ouais, mais il avait force, il avait force, on était toujours, du coup c'était chiant. Ouais, il avait une armure et tout. Mais... Non, là vous êtes en LG là. Là vous êtes en loup-garou. Les gars, c'est pas le bon. Oui, c'était l'aigri du village. ça existe pas ça. Les gars, on est arrivé à l'Airbnb. Je vous présente monsieur Théo Fatou, présent. Voilà. Monsieur Rémi Drago, présent. Je vous présente un petit peu les setups. Voilà comment ils se sont placés. La table est immense, vous en rendez pas compte. Mais elle est vraiment grande, comme ma bite. Dans tes bras? C'est ça que tu veux dire? Faut que je te fasse un câlin? Attendez. Oh, c'est dommage que t'aies pas filmé ça, mec. Quoi? Il nous arrivait une dinguerie tout à l'heure. Tu vois ça? Ouais. Regarde. J'ai ouvert la fenêtre comme si j'étais chez ma mère, le truc m'est tombé sur la gueule. Attends. Donc là, si tu ouvres ça, tu touches le trépied de rideau. Et ça, tout à l'heure, ça m'est tombé dessus. A few moments later. C'est beaucoup mieux et Drago, il faut. Attends! T'as vu, je t'ai dit que ça arrivait ça.
C'est pas possible. Et du coup... Et c'est sur Rimbaud aussi qui est en train de jouer ici, sur sa tête. Mais en fait c'est... C'est un trap le truc. Non mais je te jure que c'est vrai. Bon lui cette nuit il s'est endormi sous le feu, il a eu peur. Vous dormez ensemble? Il a pas voulu se doucher avec moi aussi hein. C'est vrai. On a dit que si on voulait gagner la laine, faut qu'on prenne une douche ensemble. Hein. Bon les gars, avant toute chose, hein, je vais venir vous aider. Hein. Mais faut que j'aille chier. Écoute-moi bien, Fatou a été chié deux fois. En chiant deux fois déjà, cumulé, ça doit faire une heure et demie de chasse. Non, des traces de pneus à chaque fois, c'est illégal. C'est abusé frère, c'est un karting les chiottes après lui. Hein. C'est un karting. Il a écrit dans le boss ton t-shirt. Ouais. Où est mon t-shirt Team CES Bichard? Tiens, officiellement, MCS Bichard. Merci, putain merci, je suis trop heureux. Merci, yes, yes, je l'aime. Yes. Ouais, je vais faire une transition Fatou. Et là maintenant, attends mais il fallait que tu restes collé. Tu vois, faut que je te colle jusqu'à comme ça. Il est normal? Est-ce que ce mec est normal? Tu vois mec, ça passe. Putain, on est bien là. Hey, regardez, je vais mettre mon t-shirt. Il est beau hein. Voilà. C'est la première fois que j'ai un t-shirt avec mon pseudo. Non, on pourra faire la chambre du conseil, genre. Allez, on s'assoit et on parle juste. Moi j'ai dit. Mais tous les soirs, tous les soirs, ça c'est une idée dingue. Hein. Pose devant la cam et tu dis ce que tu penses de tes mates. On a fait pas mal de choses, regardez. Vous voyez un petit peu la gueule du setup. Ma chaise gaming. Tu m'entends ? Bien. Écoutez les gars, j'ai pas besoin de plus, hein. Les frérots, il est temps de se laisser ici pour ce premier jour de vlog. Normalement, il y en aura un chaque jour, peut-être, éventuellement. Putain, mais comment vous avez l'air dépité, les gars ? C'est bootcamp, allez, on va baiser. Non. Mais il fallait vite. Brago, il est mort. Je suis mort, mais... Pourtant, il est 2h30. Bon, bref. En tout cas, on vous fait un gros bisou, les gars. On va dormir. Je vais upload tous les rushs, là, pour directement pour Bunket. Ouais, là. Ouais, moi, je propose qu'on fasse la salle du conseil. Je suis grave chaud. Tu veux faire le premier jour de la salle du conseil, maintenant? Maintenant? Bon, on s'est pas entraîné, mais comme tu veux, en vrai. On va exprimer notre épouse. Ben, vous savez quoi? On le fait tout de suite. Il faut qu'on vous présente... Mesdames et messieurs, la salle du conseil. Bah alors attends, dans les toilettes. Oh le sur le trône. Oh l'idée de génie. C'est qui le premier sur le trône? Y'a un mec qui l'a pas tiré la chasse. C'est pas possible. Oh mec. Oh le plan il est pépite. Bref du coup, première journée officielle de bootcamp terminée. J'ai fait un coma cette nuit, donc en vrai j'étais up aujourd'hui. On n'a pas pu trop traîner à trop parce qu'il n'y avait pas Bichard, parce que c'est un gros connard, mais en vrai je le déteste un peu, mais ça va. Par rapport à Fatou, je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus beau gosse. Je suis un peu déçu physiquement. Après je pense que ça fera l'affaire pour une semaine, je pourrais me contenter de ça. Fatou est un monstre aussi, il est très fort, il apprend très vite. Et c'est très très cool de jouer avec lui, on a vraiment un bon teamplay. Bichard aussi est très très fort. Franchement c'est impressionnant quand même le niveau qu'il peut atteindre, parce qu'il a quand même beaucoup moins traîne que nous, enfin beaucoup, quand même pas mal. Et quand même impressionnant le niveau qu'il a pu atteindre en si peu de temps. Donc voilà, en vrai confiant pour une belle paire. Je pense qu'on est objectivement les meilleurs sur la plupart des jeux. Peut-être un petit peu de faiblesse sur Zutom, mais globalement je pense qu'on peut top 1 partout. Je pense que la cohésion d'équipe est bien, on rigole bien ensemble, ça va bien se passer. Donc je pense que voilà, Drago, je pense que c'est un petit monstre, c'est un petit crack. Il va falloir qu'il continue comme ça. Par contre, Bichard, ouais, j'ai un peu de mal avec lui, je le déteste un peu. D'ailleurs, Fatou, je t'ai prêté 10 centimes à la dernière Zilane, tu me les as toujours pas rendus. Donc si tu pourrais me les rendre pendant cette Zilane, ce serait plutôt sympa. Et voilà, sinon, très hâte d'être cette Zilane et d'affronter tous ces monstres. Très hâte de voir à quel point l'entraînement a pu porter ses fruits, parce qu'on a passé des heures et des heures à train. Enfin, du jour 1 de la Zilane, enfin de la Zilane, du bootcamp, on se retrouve demain. Ouais, fatigué là. Je tire la chasse. C'est tout, un bisou, je vous aime, c'était pas tout. Ciao. C'est bon, j'ai fini. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Fin du jour numéro 1. Bunkhead, Thomas, je te souhaite bonne chance. T'es dans la merde. On expie tous nos péchés.